Des supporters des Verts en partenariat avec Active, présenté par Keun. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Synthé Night Club. Alors, à l'instar de ce qui se passe en équipe de France, le Synthé Night Club essuie une cohorte de blessés et change une partie de son équipe titulaire pour la soirée. Kevin, qui devait présenter ce soir, s'est fait amputer de son appendice, donc il a besoin d'encore un peu de repos. Et puis Karl, il avait une énorme flemme. Je plaisante bien sûr, mais il avait une bonne raison. Mais comment commencer un SNC sans tacler Karl Husso ? Mais nous sommes quand même en compagnie de titulaires indiscutables, puisqu'au poste de latéral, un chroniqueur capable de prendre les diagonales. Il joue à l'année pour son club Synthé Inside, mais là il est en sélection avec le SNC. Bonsoir Pierrot. Salut Keun, salut Alex, et belle présentation, ça a bien été travaillé. Merci, alors justement ça a été travaillé, du coup la blague de la diagonale, il prend les diagonales, c'est pour Pierrot le Fou, parce qu'aux échecs, le Fou, il va en diagonale, et puis Pierrot le Fou, c'est pour un petit hommage à Godard, voilà. Bravo. C'est toujours bien d'expliquer ces blagues. À ses côtés, celui qui, à l'année, joue pour le mythique club de peuplevert.fr, mais qui, une fois arrivé en sélection avec le SNC, devient coach et fera donc ce soir son conseil de classe. Bonsoir Alex. Salut à tous, salut Pierre, salut Keun. Je sais pas s'il y avait un message caché ou des références, mais c'est parfait, belle présentation. Là c'était plus simple, c'était juste avec ta chronique, voilà, tu vas faire un conseil de classe ce soir. Ouais, faut me parler simple à moi. Exactement. Ce soir, on parlera évidemment du match malheureusement perdu 2-1 en terre guingampaise. On parlera de la dynamique, du poste de gardien, etc. etc. Ensuite, on aura le conseil de classe d'Alex, donc. Et puis, ensuite, on fera un premier bilan de la saison après 9 journées et puis juste avant la trêve. Donc, c'est parti. On va commencer avec le débrief. Jingle. Active Synthé Night Club. Le débrief. Et bonsoir aussi à vous dans le chat. Bienvenue sur ce stream, bienvenue dans cette émission. Alors, il n'y a que 10 viewers, donc je suis un peu surpris. Qu'est-ce donc ? Est-ce que c'est parce qu'ils ont changé le nom de la chaîne ? C'est possible, ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la chaîne Synthé Inside a été renommée en Synthé Night Club. Et du coup, vous n'êtes pas... Ah, ou alors c'était un bug du compteur, c'est en train de monter. Bon, écoutez, on va commencer. Le débrief du match, il n'y avait pas de photos sur la médiathèque de la SSE, donc j'ai mis des photos d'entraînement. Messieurs, en résumé, quels ont été vos flops sur ce match? Et puis ça va nous donner un petit peu la direction de nos débats pour la suite. On va commencer avec toi, Pierre. Alors moi, les flops, je crois que c'est la deuxième ou troisième fois que je viens de la saison et j'ai toujours le même flop. Le plus gros flop, c'est la défense. Okay. C'est la défense. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais sur le second but notamment, la relation Dreyer qui loupe sa relance et Briançon qui se fait un peu balader avant la frappe du Guingampais. Mon premier flop, c'est la défense. Comment gagner un match quand on prend deux buts systématiquement, notamment à l'extérieur. Il faut donner un flop ou... Écoute, ça nous donne une première direction déjà à la défense. De ton côté, Alex, qu'est-ce qui a été le plus gros flop selon toi sur la rencontre contre Guingamp? Moi, je suis un peu désolé parce que je trouvais qu'il apportait de la stabilité. Puis en fait, Mathieu Dreyer nous a quand même un petit peu mis dedans pour cette rencontre. On le blâme lui, mais on peut blâmer les trois qui sont devant lui aussi. Sans parler de Lenny Pintor. Donc c'est vrai que c'est assez difficile d'en trouver un seul. Mais s'il y en avait qu'un, ce serait Mathieu Dreyer.
Ok, donc Dreyer d'un côté, la défense de l'autre. N'hésitez pas à nous donner vos flops. Malheureusement, on va commencer par ça ce soir dans le chat. C'est après une défaite, hein, forcément. Alors, je suis assez interrogé aussi parce que vous parlez tous les deux plutôt de l'aspect défensif. Mais en termes d'efficacité offensive, il y a aussi eu des trucs à revoir. Je pense qu'on en parlera aussi. Mais Alex, tu as abordé le sujet du gardien. Je pense que ça va être un point assez crucial de nos débats. Est-ce que pour vous, Dreyer doit rester titulaire? Est-ce que Green doit prendre sa place? Est-ce que c'est plus complexe que ça? Pardon Pierre, mais excuse-moi, mais en fait il y a quelque chose qui est compliqué là pour Laurent Batless, c'est que il était quasiment persuadé d'installer Mathieu Dreyer dans la cage hein, quand Étienne Green s'est fait expulser. Je pense qu'en plus Mathieu Dreyer montrait vraiment des signes positifs de stabilité, l'équipe n'avait pas perdu avec lui. Donc ça a dû conforter Laurent Batless et puis là il se rend compte que son gardien de 33 ans, mature, avec de l'expérience, se fait avoir comme un bleu sur un 6 mètres qui tire extrêmement mal pour le premier but, hein, même si en cascade derrière il y a un duel de la tête perdue, il y a Petro au pâquerette, bon Giraudon qui fait ce qu'il peut ma foi, et puis sur le deuxième but c'est clairement de sa faute, donc là... Est-ce que c'est pas l'occasion de remettre Étienne Green dans la partie, sachant que c'est quand même un jeune gardien, qu'on peut pas le griller comme ça, et que c'est son gardien numéro un officiellement toujours. Donc voilà, j'aimerais pas trop être à la place de Laurent Batless en ce moment, et la meilleure solution aujourd'hui qui serait celle d'avoir un vrai bon gardien à Saint-Étienne, on l'a pas. Donc il va falloir qu'on pioche parmi ces deux-là. Alex, t'es d'accord avec Pierre, pardon, t'es d'accord avec ça? Ouais, totalement d'accord. Totalement d'accord. Dreyer, effectivement, il avait tout à gagner avec la suspension de Green. Il a à noter quand même qu'il a quand même plutôt bien réussi le premier match. Hein. Je pense qu'on a été d'accord. La semaine dernière contre Bordeaux, il fait une belle prestation. Il sort un ou deux beaux arrêts. Mais oui, avant-hier, c'est sûr que ça coince. Il fait quand même une belle claquette à un moment, mais bon, heureusement qu'il réussit. Il fait quand même deux beaux arrêts hein, dans ce match-là. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'ils ont un peu les mêmes profils avec Green, c'est qu'ils sont pas mauvais sur leur ligne, hein, clairement. On leur a vu des qualités à tous les deux, mais c'est dans la relance quoi, que ça pêche pour les deux. Entre autres, oui, effectivement. Et c'est sûr que on s'aperçoit qu'on va vite avoir un problème de gardien. Je pense que à voir si ça se confirme, mais ça m'étonnerait pas qu'au mercato, une de nos priorités, ce soit le poste de gardien. Dès le mercato d'hiver, tu penses? Ah oui, je pense que si ils enchaînent tous les deux comme ça, et qu'ils sont très irréguliers l'un et l'autre, je pense qu'effectivement, au mercato, ce sera une de nos priorités, voire la priorité, tout à fait. Je peux être d'accord avec toi, Pierre. Simplement, il va falloir trouver une solution pour Étienne Green, hein, parce que je vois que lui qui puisse être prêté dans un club français ou anglais ou je ne sais où. Certainement pas en Ligue 1 française, en tout cas. Enfin, je vois pas de Ligue 1 française le récupérer en prêt au mois de janvier. Mais il va falloir trouver une porte de sortie parce que c'est un peu l'embouteillage hein, chez nos gardiens. Ouais, effectivement. Et après, pour répondre, moi, si je suis Batless, je vous avoue que le prochain match, je ne sais pas qui mettre. On pourrait louer l'expérience de Dreyer, mais est-ce qu'au final, ça apporte vraiment un plus, son expérience? Je ne sais pas. Moi, j'ai pas de réponse à cette question et je serais vraiment curieux de voir que va faire Laurent Batless. Ben on sent que la question est difficile à trancher. Hein. Dans le chat aussi, ça hésite beaucoup. Il y a El Cato qui a un peu enterré Green en disant qu'il avait pied carré, que c'est pas grave s'il reste numéro 2. Il y a Koreaki qui nous dit Green numéro 1 sans aucune hésitation. Donc on voit que c'est divisé. Il y a même Pascal qui nous dit Ravert numéro 1, pourquoi pas? À quel âge Lafont et Landreau ont-ils commencé? 16 et 17. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'hypothèse Ravert? Oh, je suis absolument contre. C'est pas un joueur qui est prêt pour jouer en Ligue 1. C'est un joueur qu'il faut laisser grandir. En Ligue 2. Saloperie de lapsus. Ouais, mais c'est une fausse bonne idée, ça.
On l'a vu, le pauvre, il est rentré en remplacement de. En Le remplacement Green, de. complètement. Green, ouais, le Green. Et il a pris. Il a pris une vraie saucée dans la cage, quoi. C'est une très mauvaise première expérience. Il ne faut surtout pas l'exposer. On parle de foul. Moi, j'ai un peu de mal à savoir ce que vaut ce gardien de but qu'on a récupéré un petit peu dans l'anonymat et qui semble toujours s'entraîner, mais très peu jouer. Avec l'équipe réserve, il fait ses prestations. Je ne sais pas ce que ça peut valoir au-dessus. En tout cas, il n'est pas gardien numéro 1 ni numéro 2 aujourd'hui, dans l'esprit de Laurent Batless. Laurent Batless est arrivé avec un a priori négatif sur Étienne Green, il faut le savoir. Et pourtant, il l'a installé comme numéro 1 parce que, à l'époque, Dreyer n'était pas là et qu'il n'avait pas le choix. Donc, je trouve que c'est très délicat. S'il maintient Dreyer, ce qui est possible, parce que Dreyer, à part deux fautes de relance, il est très bon dans sa cage. Il fait les arrêts. Hein. On n'a rien à lui reprocher. Il fait juste deux fautes de relance. Et ouais, mais pour le jeu de Batless, la relance, elle doit partir de loin, quoi. Ouais. Ben oui. Alors, est-ce que Laurent Batless va changer son approche? Et est-ce que Laurent Batless va pas demander à relancer depuis l'arrière des passes plus courtes? Parce qu'ils se rendent peut-être compte que ces gardiens ne sont pas capables d'allonger. Bon, en tout cas, je pense qu'on est d'accord sur le fait que ça doit se jouer entre Green et Dreyer et que les autres sont encore un peu verts, on va dire. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est un peu un choix par défaut. Et c'est pas un. Voilà, en gros, samedi, il va se dire. Enfin, ou dimanche, on joue. Non, samedi, je pense qu'il va. Enfin, dans 15 jours, désolé, il va choisir le moins. Peut-être celui qui gérera mieux la chose mentalement. Ouais. Il y a Ludo dans le chat qui dit: j'étais au stade, franchement, vous êtes dur avec Dreyer. Il a fait une erreur de relance, ok, mais sinon, il n'a pas été catastrophique non plus. Un match nul aurait été plus logique et on aurait moins polémiqué sur Dreyer. Alors, vous avez là sous les yeux les notes de Saint-Inside. Il a quand même eu 5 malgré ses erreurs, Dreyer. Donc, c'est qu'effectivement, il a fait un match correct à côté. Le souci, c'est que voilà, le poste de gardien de but, la moindre erreur, elle coûte très, 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 très cher. Et là, elle coûte les 3 points. Donc, c'est vrai que le 5, on pourrait en débattre. Mais on a bien parlé du poste de gardien. J'ai vu dans le chat qu'il y avait la défense aussi qui revenait dans les flops. Et ça tombe bien parce que c'était ton premier gros flop, Pierre. Qu'est-ce qui, selon toi, est problématique dans cette défense? Est-ce que c'est un problème d'homme? C'est pas les bons joueurs sur le terrain? Ou est-ce que c'est un problème d'alignement le souci de notre défense? Ah, déjà, je tiens à signaler que c'est quand même un petit peu mieux qu'en début de saison. Problème d'homme, je sais pas. Peut-être que moi, j'aimais bien les prestations de Bakayoko lorsqu'il avait joué notamment contre Bastia et il me semble le match d'après, il avait joué également à Pau. Donc j'avais bien aimé ces matchs. C'est un profil qui amène de la fraîcheur, qui amène sa rapidité et ça, c'est important parce que. Bakayoko, parce que Briançon et Giraudon, c'est quand même des profils plutôt lents. Putain, Briançon. Ouais. Moi, j'ai pas aimé son match, hein, clairement. Et puis même Petro, alors il vient d'arriver, donc on va lui laisser du temps, mais pour l'instant, il est pas. J'avais regardé un petit peu ses matchs l'an dernier à Lorient, il est pas encore au niveau de ce qu'il faisait à Lorient la saison dernière, donc ça fait que c'est. Ce sont trois défenseurs qui ne sont pas encore au top. Peut-être que ça viendra. Mais voilà, pour moi, c'est clairement un problème d'homme. Alex, t'es d'accord avec ce diagnostic? En fait, c'est le prolongement de ce qu'on disait sur Dreyer et de ce que disait un des auditeurs, à savoir qu'on est peut-être sévère avec Dreyer parce qu'il fait deux relances qui amènent les deux buts, mais... Derrière le 6 mètres, il y a encore une fois un duel aérien perdu par un Stéphanois. Il y a Petro qui est absolument largué à la course. Et sur le deuxième but, il y a Briançon qui se fait planter sur les talons par son vis-à-vis. Et ça, Dreyer, il n'y peut rien. Donc c'est vrai que tant qu'on n'aura pas réglé le problème de la qualité de nos défenseurs, on n'aura pas réglé les problèmes... défensif et quel que soit le gardien. Après, je reste persuadé aussi que Bakayoko apporterait de la vitesse dans une défense qui est d'une lenteur impitoyable. Et je comprends pas trop. Alors effectivement, Petro, il est pas venu, je pense, pour jouer sur le banc, mais
C'est vraiment dommage d'avoir sorti Bakayoko qui, encore une fois, avait fait deux vrais bons matchs contre Bastia et à Pau. Il sort avant qu'on se prenne les buts à Pau et c'est, C'est je le trouve problème ça du dommage. gaucher, je pense, Pierre. Je pense qu'il veut un Ouais, mais. gaucher à gauche et c'est son erreur, je pense, pour le moment. Effectivement, mais Bakayoko, enfin, je pense qu'il peut jouer à gauche et je pense aussi que Petro, voilà, il a été recruté pour jouer, donc il Alors, l'intègre doucement, mais. je suis pas un insider, hein, je ne suis qu'un simple supporter, mais Bakayoko, il me semble qu'il y avait aussi un petit problème de coffre. Moi, je me souviens quand même de pas mal de matchs où, même sans être titulaire, il finit avec des crampes, ou je me demande s'il n'y a pas aussi un peu ça qui freine sa titularisation. Ouais, je sais pas s'il a un problème physique. Maintenant, si c'est le cas, c'est un petit peu problématique parce qu'à son âge, en ayant fait la préparation, je comprendrais pas qu'il soit déjà en difficulté physiquement. Après, il faut se rappeler aussi le petit épisode. C'était contre, je sais plus qui, à domicile, où Baka jouait et avait échangé de poste avec Briançon, ce qui n'a pas du tout plu à Laurent Batless, Ouais. qui a demandé à ce que les deux reprennent leur place, à savoir Bakayoko à droite et Briançon à gauche. Ça veut dire aussi que l'un et l'autre ne sont pas contents s'ils jouent à gauche. Ouais. Alors, je me permets du coup de fact-checker directement. C'est bien d'avoir des suiveurs un peu plus précis dans le chat. Il y a Green Prospect qui est là et qui dit non, pas de problème de coffre. C'est l'aspect mental qui l'avait tué à l'époque. Il avait perdu de l'influx. Pour info, meilleur test physique du centre la saison dernière. Son problème, c'est les cartons jaunes. Il est bon Sylvain. Carton jaune, il y en a deux qui en prennent beaucoup aussi. C'est Briançon et Giraudon. Ben voilà, moi, un des trucs qui a fait que de base dans ce match, je suis rentré avec un mauvais a priori sur Briançon, c'est ce carton jaune tellement bête au début du match qui conditionne un peu la suite de sa prestation. Enfin, je sais pas ce que vous avez pensé de la prestation de Briançon. Je vois qu'il est mieux no que c'est le mieux noté de la défense, si on compte pas Masson et Pintor. Et vraiment, moi, j'ai trouvé une prestation très très friable. Je me dis, s'il n'a pas le brassard de capitaine, est-ce que Batles ne doit pas le sortir dès le début, quoi? La question se pose. Non, C'est vrai que j'ai cette posé une question défense qui est un peu centrale, un moi je avis, la. pardon, mais. Non, mais la défense centrale, moi, me pose question par sa nervosité, et ça depuis les premières minutes de championnat. Giraudon, c'est tout sauf un calme, et on attend beaucoup de calme à son poste. Alors, certes, il a envie de gagner, certes, c'est un gars qui a de la grinta, ok, mais ça nous porte un préjudice énorme. Il va être suspendu tous les quatre matchs, parti comme c'est parti. Briançon, il est quand même pas loin d'être aussi sur le même profil. Ouais. Et de l'autre côté, Petro, ah oui, c'est un gentil, mais alors il est tellement gentil que il se laisse marcher sur les pieds pour le moment d'un point de vue défensif. Donc on attend autre chose. Bakayoko se fait beaucoup sanctionner aussi. Voilà, on a des défenseurs qui soit se font sanctionner parce qu'ils sont en difficulté, soit parce qu'ils sont trop nerveux, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Après, Alex, pour prendre la défense de Petro, je trouve qu'il n'est pas aidé par son acolyte à gauche, Ouais, c'est Lenny vrai. Pintor, qui est tout sauf un. Enfin, pour moi, hein, qui n'est pas forcément Un un latéral. piston. Un Et pistolet, je ne j'en pense perds, en pas l'occurrence, qu'il tu vois. soit bien, bien aidé de ce côté-là. C'est vrai. C'est vrai que la relation Petro-Pintor, le côté gauche, a été assez catastrophique. Pintor, je trouve qu'il a trouvé un peu sa place facilement. On a le cas Gabriel Silva est complètement évacué. Oh. Ouais, Gabriel Silva, c'est vraiment Je dis le pas que c'est un foudreur joueur de guerre, dont. mais Pintor, c'est pas son poste, quoi. Du tout. Le problème de Gabriel Silva, c'est que défensivement, je ne suis pas sûr qu'il soit meilleur que Pintor. Et offensivement, on est sûr qu'il est moins bon que Pintor. C'est pas Et faux. surtout, Silva, on sait tous qu'il est fragile. Alors, bon, encore en latéral gauche dans une défense à 4, moi ça me dérange pas, mais. Si on met piston, enchaîner les courses pendant 90 minutes, il va vite retourner à l'infirmerie, à mon avis. Donc, ouais, je pense que là, Batless a fait une croix sur Silva. Il préfère effectivement un profil un petit peu plus offensif. Mais là, vu que Pintor donne pas satisfaction, que Gabriel Silva est sur la touche, qui est-ce que vous envisageriez au poste?
Après, la solution, ça pourrait être de repositionner Masson à gauche. Hein. Il a Ça. été à gauche avec réussite il y a quelques journées. Pas toujours non plus, hein, parce qu'à Pau, ça a été assez compliqué. Mais à gauche, c'est peut-être celui qui aujourd'hui offre le plus de garanties. Je charge à Batles de trouver quelqu'un à droite qui fasse le taf. Bah, par défaut, ça Palencia. Ouais. Ouais, Ouais, mais c'est ouais. vraiment par défaut. C'est pour faire Ouais, le ouais. nombre, quoi. C'est Bon. légèrement mieux que Gabriel Silva, ouais. Écoutez, on a beaucoup parlé des flops, mais c'est la règle après une défaite, malheureusement. Dans le chat, et vous, messieurs les chroniqueurs, est-ce que vous pouvez me donner vos tops de cette rencontre? Parce que tout n'était pas à jeter quand même, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Alex, je te laisse commencer. Ok, ben bah écoute, moi je vais aller peut-être à contre-courant de beaucoup qui commencent à douter. Alors ça, c'est hallucinant de voir qu'on doute de la paire Krasso-Wadji. Moi, elle me fait pas du tout douter cette paire d'attaquants. Au contraire, je suis persuadé que ils vont mettre beaucoup de buts. Je sais pas si on n'en prendra pas plus qu'on en inscrit, mais en tout cas, eux vont en inscrire beaucoup. Krasso, pour moi, reste dans la continuité de ce qu'il propose depuis le début de saison, avec moins de réussite, mais c'est normal. À côté de Wadji, il est davantage là pour le faire jouer et peut-être le mettre en valeur ou profiter de ses appels. Et de l'autre côté, Wadji, bah oui, il n'a pas été extrêmement précis. Oui, il n'a pas toujours fait les bons choix. On parle de son deuxième match. Il a déjà inscrit un but. Rappelez-vous la dernière fois qu'un buteur a signé à Saint-Étienne et la première fois où il a inscrit son premier but, voilà, sous le maillot vert. Il faut se dire qu'on a un mec comme Wadji en Ligue 2 qui est meilleur que tous les buteurs qu'on a eus ces dernières années en Ligue 1. Moi, j'en suis persuadé. Donc pour moi, mes deux tops, ils sont là, ces deux joueurs-là. C'est le duo d'attaque. Ok, Ouais. d'accord. Et toi, Pierre? Moi, c'est bien parce que pour une fois, je n'aurais pas les mêmes tops, Ah. même si je partage l'analyse hein, d'Alex, hein, sans problème. Mais moi, c'est plutôt au niveau du milieu de terrain que j'ai trouvé nos joueurs pas mal. Donc, en l'occurrence, Bouchouari. Il avait été un petit peu en dessous lors de ses deux dernières sorties. Notamment à Pau, où il avait pris un jaune tôt dans la partie, il était sorti un petit peu de son match. Et là, j'ai un petit peu retrouvé le joueur qui avait fait des bonnes performances, notamment face à Bastia. Il y avait un petit peu de déchets, mais globalement, je trouve qu'il a quand même sorti un match intéressant. Et bon conduit aussi, j'ai bien aimé. Surtout en première mi-temps, il a été assez propre techniquement. Après, en seconde, il s'était un petit peu éteint, mais voilà. Globalement, pour sa deuxième titularisation, il a bien fait le taf et aussi j'ai aimé l'entrée de Lobry. Ouais. Pas seulement parce qu'il marque, hein, mais ce que j'apprécie beaucoup chez ce joueur, c'est sa régularité. Il est toujours au niveau, il joue juste, il est hyper fiable, je trouve. Et j'espère vraiment, alors je ne sais pas qui sortir, mais j'espère vraiment que qu'il Qui sera va trouver une titulaire place? le prochain match. Bah peut-être si on faisait un milieu à 3 et une défense à 4, mais a priori c'est pas le projet de jeu de Batless. Et à noter que j'ai trouvé Chambaud, je reviens un petit peu sur les flops, mais pas aussi à l'aise que le match Ouais. précédent. Il a été un peu transparent, j'ai trouvé Chambaud. Pour ce qui est des tops dans le chat, alors déjà, Forza Binou, non, je ne les ai pas sous les yeux là, le nombre de passes, mais tu peux le retrouver sur le site de la Ligue 2 sans problème. Bouchouari qui revient effectivement, plusieurs Lobry. Alors c'est marrant parce que Pierre, t'as dit exactement la même phrase que Joss dans sa chronique. J'ai bien aimé l'entrée de Lobry, mais c'est pas pour son but, hein. Forcément. Pourtant, mon Joss, je l'ai pas encore lu ta chronique, mais ça viendra. Mais oui, il faut une semaine pour la lire. Non, ouais, il y a Wadji qui revient pas mal aussi. Et ben justement, donc on a beaucoup parlé de la défense, là on va parler du milieu et de l'attaque. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même, non, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais que Crasso et Wadji finalement, ils devraient sur le papier se compléter un petit peu. Et au final, j'ai l'impression que Crasso se freine un petit peu. J'ai l'impression qu'il a moins d'ampleur sur l'avant du terrain qu'il pouvait en avoir avant l'arrivée de Wadji. Est-ce que c'est pas une crainte aussi pour vous? Non, j'ai la sensation qu'au contraire,
sont en train de trouver leurs automatismes, ils sont en train d'apprendre à se connaître, hein. Ils ne jouent pas ensemble depuis très longtemps. Crasso est un joueur intelligent, même si je ne pensais pas que j'aurais à dire ça maintenant, parce que c'était un joueur que je trouvais extrêmement quelconque quand il est arrivé à Saint-Étienne. Et en fait, il démontre une vraie intelligence et il a beaucoup progressé à Ajaccio, déjà dans la confiance. Et c'est quelqu'un qui est capable de se mettre au service du collectif. Et c'est ce qu'il est en train de faire pour justement mettre en valeur Wadji. Il a compris que son rôle serait un rôle de pivot, un rôle davantage de distributeur, de point d'appui. Et Dans la ce talent. conservation du ballon, il est fort. Hein. Ah oui, il est très très fort. Et en plus, dans les petits espaces, il est extrêmement impressionnant. Il y a Ah bien oui. longtemps que je n'ai pas vu de joueur effacer comme ça un, deux, trois joueurs sur des tout petits espaces. Et il y parvient régulièrement, hein. Il est vraiment dangereux C'est dans ce bluffant. style-là. Ah C'est oui, c'est bluffant. bluffant. Ah ouais. Donc non, pour moi, il n'y a pas de. Ils apprennent à se connaître, ça va fonctionner, j'en suis persuadé. Bon, je pense que sur mon conduit, on est d'accord qu'il a gagné un petit peu aussi sa place de titulaire ces derniers matchs. Mais le cas Chambaud, parce qu'on a loué l'entrée de Lobry, mais on a aussi loué les derniers matchs de Chambaud qui étaient quand même, notamment le match contre Bordeaux où il est très 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 bon. Qui pour vous doit avoir cette place de numéro 10, on va dire? Est-ce que ça doit être Lobry? Est-ce que ça doit être Chambaud? Est-ce qu'il doit y avoir une alternance? Est-ce qu'ils doivent jouer tous les deux? Qu'est-ce que t'en penses, Pierre? Difficile. Pour moi, au milieu de terrain, s'il y a trois places, effectivement, je mettrais mon conduit en 6. Mais après, c'est compliqué. Hein. Il faut deux titulaires entre Bouchouari, Chambaud et Lobry. Et la question est compliquée. Ça dépend peut-être contre qui on joue. Mais moi, j'aimerais bien voir un milieu, mon conduit, Lobry, Chambaud, peut-être le prochain match avec Bouchouari en backup. Ok, Bouchouari qui rentrerait genre 60e. Mais encore une fois, rien n'est arrêté. Il faut Oui, faire bien des sûr. choix et voilà. Tout va se décider au Chambon-sur-Lignon, de toute façon, on le sait. Ouais, non, puis de toute façon, il faut l'économiser, le petit Bouchouari, hein, parce que même s'il a fait des étincelles pour sa première sortie et que là, il est bien revenu, en effet, c'est un joueur qui reste jeune et qui a besoin encore de faire un petit peu de banc aussi, d'être dans la rotation. Et tous les matchs ne lui conviendront pas. Moi, j'en discutais avec un observateur de Valenciennes qui disait, il est très très bon, il va apporter beaucoup, mais attention, les matchs à l'extérieur, il pourrait être un peu léger quand ça brasse un petit peu au milieu de terrain, quand il y a du physique. Il pourrait un peu moins exister. Donc voilà, il faut qu'il élargisse aussi sa palette quand on lui propose ce type d'adversaire. Effectivement, c'est peut-être mieux de l'avoir quand on est à la maison, quand on a la possession. Là, il pourra casser des lignes, faire des passes vers l'avant. Effectivement, c'est peut-être plus approprié. Très bien. Je voulais vous poser la question aussi. Est-ce que pour vous, c'est un score logique finalement ce 2-1 pour Guingamp? Parce qu'on a vu qu'il y avait eu Non. pas mal d'occasions aussi du côté de Saint-Étienne dans la première mi-temps, avec notamment le poteau trouvé par Wadji. Est-ce que pour vous, le score reflète la partie ou est-ce que c'est peu Pas cher du payé tout. pour nous? Pas du tout. Moi, ce qui me fait. Je prends la parole, hein, Alex. Ce qui me fait rager, c'est que à la mi-temps, même un match nul, ça n'aurait pas été bien payé pour nous. Alors, le fait de prendre un but comme ça juste avant la mi-temps, c'est archi pas mérité. Un Vraiment, missile en plus. on méritait beaucoup mieux. Il y a une frappe sur le poteau, il y a Wadji qui loupe un duel, ou peut-être plutôt le gardien qui la sort. Il y a un penalty. Alors moi, ça ne me choque pas qu'il ne soit pas sifflé, mais il peut y avoir un penalty, on va dire. Il peut même y avoir rouge vu la saison. Donc bon, non, c'est pas mérité. Après, en seconde mi-temps, bon, Guingamp revient un peu mieux, ils mettent le deuxième, et après, ils gèrent. Mais non, non, pour moi, on était au-dessus de cette équipe, techniquement, physiquement. Et à la fin, je pense qu'ils sont pas mécontents d'avoir eu les 3 points. Alex, t'es d'accord? Oui, je suis complètement d'accord. On doit repartir au moins avec le point du match nul. Peut-être que voilà,
On a un vrai problème d'efficacité défensive. Et aujourd'hui, je crois que c'est difficile pour nous d'obtenir mieux qu'un match nul à l'extérieur. Mais le match nul, ça doit être le minimum syndical, surtout quand on propose une première mi-temps de ce niveau-là. Ouais. Je vois dans le chat que les gens sont assez d'accord avec vous, ça méritait nul. Le score ne reflète pas la première mi-temps, en tout cas, le nul aurait mieux reflété le match. Voilà, y a aussi quelques commentaires sur les décisions arbitrales. Je pense pas non plus qu'on puisse se cacher derrière les décisions arbitrales sur ce match-là en particulier. Non, le penalty pour moi, dans les deux sens, il n'y a pas un scandale. Pour moi, il n'est pas sifflé, c'est pas un scandale. Mais s'il est sifflé, c'est pas non plus. Il aurait pu être sifflé. Donc bon, ça tourne pas dans notre sens, comme souvent, malheureusement. Mais sinon, non, au niveau de l'arbitrage, j'ai rien trouvé de catastrophique. La seule chose qu'on peut regretter, et il n'a pas désavantagé Saint-Étienne, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a une incohérence dans l'arbitrage aujourd'hui. Le premier carton jaune de Saint-Étienne est mérité. Derrière, il y a des cartons, il n'y a plus de carton jaune, il n'y a plus rien du tout. Et Briançon est dingue, hein, d'ailleurs, à un moment donné, il dit C'est la balle est vrai. loin. Voilà. C'est Et vrai. puis tout d'un coup, il va mettre un jaune sur une contestation, quelque chose qui. Ça n'a même pas à tomber là, contre les Guingampais. Et il n'y a aucune cohérence. Et ça excite les joueurs. Ils sont déjà chauffés à blanc par des cartons rouges qui sortent tous les week-ends, un petit peu, parfois, voilà, on ne comprend pas trop. Et en plus, on a cette incohérence. Je crois qu'il faut vraiment qu'ils se reprennent, les arbitres de Ligue 1 et de Ligue 2, parce qu'ils sont en train de nous exciter, tous les acteurs du foot, là, en ce moment. Oui, parce que ça peut être un cercle vicieux, en plus. Ouais. Il y a Piazza Le Breton dans le chat qui dit on est au-dessus techniquement, mais malheureusement, seul le résultat compte. Qu'est-ce que vous retenez, vous, pour faire un peu le bilan de ce match? Est-ce que vous retenez plutôt la déception du score qui nous habite tous, ou vous retenez quand même le fait que bah, tout n'est pas acheté, qu'on a petit à petit, de match en match, une équipe qui est en train de se créer? Si on est sur le projet sur 2 ans, on peut se dire que c'est bien, ça progresse. Si on regarde le bilan comptable, on se dit qu'on perd encore des points et que, sans parler de montée, je trouve que c'est quand même problématique de pas ramener de points de Guingamp. Voilà. Pierre. Ouais, tout à fait, tout à fait. Si on était en milieu de tableau, bon, peut-être je retiendrai un peu de positif, je sais pas, mais là je vois qu'on est 18e au classement et on n'a pas de points à perdre en route. Hein. Alors je fais pas partie de ceux qui pensent qu'on va descendre, hein, mais voilà, dans un premier temps, il faut sortir de cette zone et ça va pas être facile de sortir de cette zone si on regarde notre calendrier qui arrive. Surtout qu'après il y aura la Coupe du Monde, donc une grande trêve. Donc non, moi le premier sentiment qui m'anime après ce match, c'est beaucoup de déception, parce qu'on n'a plus de temps à perdre. Ouais. Dans le chat, je vois Ludo qui était au stade, donc qui dit mon impression générale, s'il pouvait jouer un peu plus vite vers l'avant, on se créerait beaucoup plus d'occasions. Ça joue un peu trop à la baballe par moment, et souvent quand on perd le ballon, on est comme surpris et on met du temps à réagir. C'est vrai qu'on entend beaucoup Laurent Batless demander de jouer vers l'avant, d'arrêter les passes latérales. Et puis il y a Romain qui dit on est en maîtrise, mais on se fait bousculer avec des transitions rapides. Ils font tous et feront tous ça, normal, faudra planter, sinon on s'expose. Après, Oui. dans la construction du jeu, c'est quand même, on voit quand même qu'il y a une patte Batless qui se met un peu, sans que ce soit flamboyant, mais on voit que ça s'est joué un petit peu au football. Et bon, malgré la défaite, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place, je trouve. Et voilà, c'est la première fois que ça arrive depuis pas mal de mois. Donc, quelques motifs d'espoir, mais beaucoup de déception aussi. Bien, messieurs, je pense qu'on a dit tout ce qu'on devait dire sur cette rencontre. Est-ce que vous avez un mot à rajouter ou on passe au conseil de classe? Rien à rajouter. Non, je pense qu'on a fait le tour également. Eh bien, dans ces cas-là, conseil de classe, jingle. Le conseil de classe d'Alex. On a des nouveaux jingles, et ça c'est beau. Eh bien Alex, nous t'écoutons, tu vas faire le conseil de classe de l'AS Saint-Étienne contre Guingamp. Voilà, alors on va commencer par
Mathieu Dreyer, mais comment évoquer Mathieu Dreyer sans parler de son petit copain Étienne Grigny? Il se planque en permanence au fond de la classe, derrière leurs copains Giraudon, Briançon et Petro. Alors, Étienne, déjà poly-exclu, m'inquiète beaucoup. J'ai rencontré le papa dont le flegme tout british me laisse pour le moins dubitatif. Étienne me parle de dyspraxie pour expliquer sa maladresse. Bon, du côté de Mathieu Dreyer, j'ai proposé aux parents un rendez-vous chez l'ophtalmo. Je suspecte un daltonisme. La semaine dernière, il m'a confondu du blanc et du rouge. Alors, pas possible, ça, du blanc et du rouge. Normalement, on ne confond pas. Donc, à suivre. Hein. En revanche, je ne partage pas du tout l'avis de beaucoup de mes collègues qui voient en Étienne un très bon potentiel, même si je le vois mieux réussir sur le long terme que son camarade Mathieu. Quoi qu'il en soit, je propose une mise en garde au comportement pour Étienne Green et je recevrai Mathieu Dreyer pour lui signifier qu'on attend un peu plus de lui. Voilà. S'agissant d'Anthony Briançon. Alors celui-là, j'ai tout de suite repéré. Élu capitaine par ses camarades, il a un peu tendance à la ramener dans la classe. Premier match, il se distingue avec un tacle à la carotide au bout de 5 minutes. Un comportement très discutable et des performances pas à la hauteur de son excellent potentiel à se faire exclure du terrain. Cependant, je vois en lui l'envie de bien faire. Un peu lent, il devrait à terme compenser par son placement. Je propose toutefois une mise en garde pour son comportement peu modélisant. Jimmy Giraudon, ton camarade, il paraît calme comme ça, mais il faut bien le surveiller. Il a tendance à se laisser embarquer par Anthony quand il y a du chahut. On nous l'avait annoncé comme un petit gars studieux, pourtant il a du mal à rentrer dans son année. Hein. Avec déjà plusieurs mises en garde et quelques remontrances, il fait partie de la petite bande de derrière qui va devoir rapidement montrer d'autres qualités que celle d'aller ramasser les ballons au fond des filets. Mise en garde comportement pour le délégué suppléant. C'est vrai qu'il est délégué suppléant. Hein. Ah oui, il est délégué suppléant. Non, mais c'est scandaleux. Ce qui, avec et le copain Anthony, moi, je les ai dans le collimateur. Là. Alors, juste, j'ai récupéré le son de ce que Briançon a dit au moment de son carton jaune. J'ai pas touché. Voilà, donc vous avez pas entendu, mais on a eu un petit brandao. J'ai pas touché. Ah oui, c'est ça, mais il ne fait que mentir. Hein. Ivan Masson. Alors, Ivan Masson, depuis son recadrage de début d'année, s'est clairement repris. S'il manque parfois de concentration, sa volonté de bien faire est payante. On l'attendait pas vraiment sur ses qualités offensives et il figure aujourd'hui parmi nos plus belles gâchettes. Le travail paye et nous allons lui décerner des encouragements. Attention toutefois à la grosse tête qu'il peut vite prendre quand il est en confiance. Léo Petro. Alors, Léo Petro, j'ai un peu de peine pour lui, hein, honnêtement. Recalé il y a quelques années, nous l'avons retrouvé sur les listes de classe. Malheureusement, il vient de rendre deux copies qui justifient que nous ne l'ayons pas conservé à l'époque. Lent, maladroit, approximatif, complètement hors de forme, je propose un accompagnement individualisé et peut-être une visite chez le préparateur physique. Plus rien à perdre, s'il reste en échec, une réorientation en janvier pourrait être salutaire. Voilà, c'est sévère. Pour la performance de Léo Petro, j'ai un autre petit son. Vous aimez jouer avec le feu ? Voilà, tu le découvriras pendant le replay. Oui, c'est pas drôle, on n'entend pas, nous. Oui, alors, vous pouvez pas l'avoir. Oui, c'est pas drôle. Alors, Lenny Pintor, impossible à canaliser et à classifier. J'ai beau chercher, je ne comprends pas du tout. Alors, Lenny n'est pas forcément à sa place et souffre, qui plus est, du syndrome de l'offensif ambitieux, dont les gestes techniques restent des ambitions, en fait. Hein. Il n'apporte pas grand-chose aux côtés de ses camarades et ressemble beaucoup à un ancien élève parti dans la division supérieure, un certain Arnaud Nordin. L'efficacité en moins, bien sûr. Hein. Un tutorat lui ferait le plus grand bien, mais problème, tous ceux qui pourraient l'encadrer sont encore plus discutables que lui. Benjamin Bouchoiry. Ah, il est rigolo, le petit Benjamin, du haut de ses 11 ans et demi. Détecté par le psychologue scolaire comme étant un joueur à haut potentiel, il possède de belles fulgurances, mais peut également passer à côté de sa copie, surtout quand il tombe sur des copains de récré un peu plus costauds que lui. Malin et rapide, il est excellent camarade et semble s'être parfaitement intégré. Les compliments du conseil de classe, et ce, malgré quelques résultats un peu limites parfois. T'es prof dans la vraie vie, Alex, ou pas ? Ah, je suis pas loin du prof. Parce que t'as tous les codes, hein ? Ah, j'ai tous les codes. Thomas Monconduit. Alors, certes altruiste, Thomas devra élever sa condition physique et sa participation. Difficile de se prononcer pour cet élément arrivé après la rentrée. Il semble s'être bien intégré, apporte de belles qualités lorsqu'il s'agit de jouer avec ses partenaires. Fort heureusement, il ne se laisse pas distraire par Petro et Dreyer qui arrivent du même établissement que lui, une veine. Dylan Chambost, alors encore un ancien élève qui revient pour tenter de décrocher la timbale. S'il est très gentil et bien élevé, il a tendance à se laisser perturber par le reste de la classe, alors qu'on compte sur lui pour élever le niveau général.
pas toujours inspiré, il faut l'encourager. Bon, arriver avec un bras dans le plat, ça l'a pas aidé à démarrer du meilleur pied non plus. Encouragement du conseil de classe. Hein. Attends, alors, attends. Je crois que... Ah non, non, ce sera pour le prochain leçon. Ah d'accord, alors c'est Ibrahima Wadji. Alors c'est vraiment un gentil garçon, Ibrahima. Moi, je l'aime beaucoup, il est bien élevé, il est ponctuel, il est prometteur. Attention toutefois à pas répondre trop vite aux questions. En fait, c'est son problème. Il a en effet tendance à se précipiter alors qu'il connaît sa leçon. Il se retrouve parfois à répondre complètement à côté. Dommage, parce que souvent ses voisins pourraient l'aider ou mieux seraient capables de répondre à sa place. On va l'encourager, mais également lui demander de réfléchir un peu lorsqu'il touche au but. Bah oui, mais ça, c'est. Il veut bien faire, il est nouveau dans la classe, il essaye de s'intégrer avec ses petits camarades. C'est ça, c'est ça. On l'aime bien quand même. Hein. Et puis Zippé Crasso, j'hésite pas à le dire, c'est mon chouchou en fait. Il est toujours en avance, il travaille en silence, il cherche à faire briller ses camarades, il se met pas en avant. Sa réorientation de 6 mois l'an passé en Ligue 2 lui a fait le plus grand bien. Beaucoup de ses camarades comme So ou Nadé pourraient d'ailleurs s'en inspirer. Je dis ça, je dis rien. Les félicitations du conseil de classe pour JP qui, je l'espère, va poursuivre sa progression. Voilà. Et pour Jean-Philippe Crasso, un petit son. Ah, je me sens sale. C'est juste pour son nom de famille, Crasso, tout ça, vous l'avez. Ok. Très bien. Voilà, conseil de classe terminé. Je vous remercie d'être venu et je vous souhaite une belle soirée. Attends. Non, pas du tout. Conseil de classe terminé, il me semble qu'il manque une personne dont on n'a pas eu le bulletin. Ah ah. Laurent Batless. Ah, Laurent Batless. Il n'y a pas de bulletin, c'est le proviseur, il est exempté. Eh ben Laurent Batless, en fait, ouais, c'est un petit peu, il fait partie de l'équipe de direction. Alors j'ai un peu de mal à juger mes pairs, mais Laurent Batless, si je le fais à l'impro, ben c'est forcément pour moi un début de une rentrée non pas décevante, mais une rentrée difficile pour lui. Ouais. Il a tout à fait le potentiel pour faire briller. Tout ce collectif qui demande qu'à prendre de l'épaisseur, des automatismes pour enfin dévaster cette Ligue 2 et nous faire remonter dans une Ligue 1 qu'on n'aurait jamais dû quitter. Voilà. Mais en plus, il n'était pas titulaire du poste l'an passé, donc lui, c'est rentré dans un nouveau collège. Donc, ça fait il faut dire qu'il passe derrière un sacré cancre qui ne lui a pas rangé le bureau. Hein. Le prof d'avant, c'était le prof d'art plastique dépressif qui essayait de motiver tout le monde à faire du dessin, mais personne ne voulait. Absolument. Eh bien, écoute, merci pour cette chronique. C'était très cool, très bien écrit. Bravo. Bien sympa. Ouais, merci. Je vous propose qu'on passe à la dernière partie de cette émission. Ce sera un petit peu la place à la trêve, puisque nous avons une trêve internationale qui approche, et donc un petit temps de repos pour nos joueurs, sauf les internationales. On va revenir... Active Synthé Night Club, le débrief. Avec un petit jingle débrief, parce qu'il n'y a pas de prochain match, donc on va faire un petit débrief à ce stade-là de la saison sur la première partie de saison. Donc on est après 9 rencontres. Si vous deviez tirer un premier bilan de cette saison, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit? Et je vous pose la question aussi dans le chat. Là, si on devait résumer la première partie de saison en un mot, ce serait lequel? Pierre. Oh, très insuffisant. Très insuffisant. J'avais demandé un mot, donc on va dire insuffisant. Voilà, insuffisant. Je m'explique. Hein. Alors, tout d'abord, sur le plan comptable, c'est insuffisant parce qu'on a, zéro victoire à l'extérieur en cinq matchs, donc c'est vraiment très très peu. On l'a déjà évoqué tout à l'heure, mais on encaisse beaucoup trop de buts. On est relégable. Alors certes, on part avec un handicap de 3 points, on l'a répété maintes et maintes fois, mais voilà, on a quand même un statut, et 3 points, même avec 3 points au moins, pour moi, j'attendais qu'après 9 journées, on soit un petit peu plus haut que ça au classement. Mais voilà, on va pas que voir que le négatif. Sur les derniers matchs, c'est pas le match à Guingamp qui va me faire changer d'avis, j'ai l'impression qu'on se met en route tout doucement. On reste quand même sur une dynamique de 8 points en 5 matchs. Avant Guingamp, on était sur une série d'invincibilité de 4 matchs, ce qui ne nous était pas arrivé depuis quand même un petit moment.
Et petit à petit, on voit des beaux mouvements qui commencent à arriver. Donc, insuffisant, mais un petit peu d'espoir pour la suite. Voilà comment je pourrais résumer mon sentiment. Très bien. Alors là, je vois dans le chat déjà, j'ai du déception, erreur au pluriel, espoir, déçu, peut mieux faire. Qu'est-ce que tu retiendrais comme mot, toi, Alex, pour résumer cette première partie de saison? Pour pas être trop négatif, je dirais laborieux, en fait. C'est laborieux, mais c'est pas décevant. Je suis pas d'accord parce que on sait très bien que Laurent Batless a un challenge énorme de reconstruction d'équipe. Il faut pas oublier que tous ces gars-là ont jamais joué ensemble, en fait. Et au bout de 9 journées de championnat, on peut pas en vouloir à Laurent Batless. Bah oui, d'avoir des contre-performances avec ce groupe-là, qui propose de bons passages dans le jeu, où il y a de belles individualités sur le terrain. Alors oui, il y a encore des manques dans les buts, on en a parlé. Les pistons, clairement, c'est un vrai manque. Mais pour le reste, je trouve que ça se construit tout doucement. Il est parti sur un projet de 2 ans, il s'est pas mis la pression. J'espère juste une chose, c'est que nos gros points forts de l'année, que seront à mon avis Bouchoirie, Crasso, Wadji, j'espère juste que ces joueurs-là resteront plus d'une saison pour que le projet dure vraiment 2 ans. Ouais. C'est sûr Oui. que si Crato ne prolonge pas et il orne vers la Ligue 1 ou ailleurs, c'est sûr que oui, ça va être compliqué, il va falloir le remplacer et oui, je suis d'accord. Alors, on a des gens de l'équipe dans le chat. Je vois Joss Randall qui nous dit en un mot retard à l'allumage. Mais il n'a pas mis d'espace, donc ça compte, ça compte. Je suis désolé. Il joue avec les mots, mais est-ce que les mots ne sont pas faits pour ça, finalement, Boris Vian? Il y a Romain qui dit on doit être patient, on le sait, mais ça n'empêche pas qu'on soit usé par cette situation. 4 ans qu'on doit être patient. C'est vrai, il y a le rationnel qui dit on doit être patient et cette équipe est en train de se construire. Mais il y a aussi le sentimental, parce qu'on est tous amoureux de ce club, et bah, c'est dur d'être patient quand c'est aussi long. C'est sûr. Après, le fait d'être 18e après 9 journées, c'est quand même un sacré échec, quoi qu'on en dise. Alors, ok, la préparation a pas été faite dans les meilleures dispositions. On a gardé des mecs qui nous ont mis en dedans dans les premiers matchs qui ne voulaient plus être là. Mais quand même, ça, c'est vraiment léger, je trouve, quand même, notamment au niveau comptable. Alors justement, pour repartir de plus belle, il y a un stage qui est prévu, donc au Chambon-sur-Lignon. Ils partent demain, le 20 septembre, et ce petit stage se terminera le 23 septembre, donc un petit stage de 3 jours. Alors on précise quand même qu'il n'y aura pas les internationaux, donc il y a Bouchoirie, il y a Darnell Billet, Ayman Aiki et Jean-Philippe Crasso qui seront en sélection. Pour vous, quel doit être l'objectif principal de ce stage? C'est la défense et malheureusement, à défaut de pouvoir animer l'attaque, puisque Crasso sera pas là, Wadvi pourra pas travailler avec lui, mais clairement stabiliser la défense, trouver des repères, trouver la bonne formule, trouver peut-être enfin un piston qui puisse faire office de piston à côté de Masson. Si Masson se blesse demain, on est en grosse, grosse, grosse galère, mais vraiment grosse galère. Et C'est clair. peut-être, est-ce que la SSE va profiter de ces 15 jours pour attirer un joker à ce poste-là? Pourquoi pas? Oui, c'est vrai que c'est pas complètement impossible. Je vois des gens qui disent dans le chat pour le stage, l'objectif en gros c'est la cohésion, boire des canons ensemble, soirée raclette, tout ça. Mais c'est vrai que mine de rien, Duprat est parti, hein? même sous le couvert de... Qui est parti? Duprat est parti, hein? Duprat est parti, c'est vrai. Et Jesse Voilà. Moulin aussi, l'animateur. Non, mais Voilà. par contre, mine de rien, sous couvert de blague, c'est vrai qu'on a un groupe qui est quand même très, 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 très neuf. Sur la feuille de match hier, bah, je crois qu'il n'y avait que Masson qui était là l'an dernier. Je réfléchis, mais ouais, je crois qu'il n'y a que Masson qui était là l'an dernier. Donc il faut aussi que ces joueurs apprennent à se connaître. Donc mine de rien, je trouve que c'est plutôt une bonne chose qu'ils partent. Oui, tout à fait.
Et ouais, le fait qu'il n'y ait pas, par contre, Jean-Philippe Crasso, Benjamin Bouchoiry, bon, Aiki et Billet, peut-être un petit peu moins, mais ça risque pas de poser un peu problème, justement, pour travailler les automatismes, tout ça? C'est sûr que ça aurait été mieux qu'il soit là. Et effectivement, comme Alex le disait, l'association Crasso-Wadji pourra pas être travaillée. Après, je pense que ce qui a été dit dans le chat, c'est bien. Je pense que c'est un stage qui est fait pour la cohésion. Parce que, encore une fois, le premier stage qu'on avait fait, alors c'était à La Plagne, c'est ça, je crois. À la plagne, ouais. C'était à la Ouais. montagne. Je me souviens des Et photos. ben l'effectif n'était pas du tout le même. Ouais. Et il y avait beaucoup de jeunes qui ne sont plus forcément là, des mecs qui devaient partir, qui sont partis depuis. Donc là, c'est bien. C'est bien pour la cohésion. Ça va pouvoir bosser sereinement. Donc allons-y. Ouais. Effectivement, apparemment, c'est l'anniversaire de Pascal Duprat aujourd'hui. Ah, ben, je ne le savais pas, mais j'espère que ses oreilles ont pas trop sifflé. En tout cas, voilà, non, j'arrive pas. J'arrive pas à lui souhaiter un très bon anniversaire, en fait, mais bon, c'est pas grave. Non, on Pas va grave. souhaiter un bon anniversaire à la personne et puis on va souhaiter au coach de ne pas retrouver un banc tout de suite. Voilà. Exact. Voilà. Pour le bien du football, oui. Exactement. Ouais, parce que du coup, Batless, l'objectif affiché de ce stage, c'était travailler donc les automatismes. Et c'est vrai que, en plus du fait qu'on aura une équipe qui se connaît un peu mieux après cette trêve, il y a aussi le retour du public. Ça, mine de rien, dans cette première partie de saison, c'est vrai qu'on l'a pas forcément évoqué dans le bilan parce que on s'est malheureusement habitué ces dernières années au huis clos. Mais il y a aussi le retour du public à Geoffroy Guichard qui va faire beaucoup de bien. Encore à Guingamp, là, je regardais le match à la télé, on n'entendait quasiment que les Stéphanois. Ouais, ça c'est vrai. Et je pense que contrairement à ces deux dernières saisons, ou trois dernières saisons, peut-être même quatre, on va peut-être redevenir une citadelle difficile à prendre à Saint-Étienne. D'abord parce qu'il y a la qualité sur le terrain, même si aujourd'hui on est un peu déçu de ce qui est des résultats, mais ça ne peut que progresser. J'ai vraiment très grosse confiance en Laurent Batless. Et puis parce que ce public en Ligue 2 est juste difficile à égaler. Et que quand le score va dans le bon sens, à Saint-Étienne, ça pousse. Quand ça va pas dans le bon sens, ça pousse quand même. C'est dur pour les adversaires. Les adversaires attendent tous d'arriver à Geoffroy Guichard, mais n'ont pas l'habitude de ces ambiances. Moi, je reste persuadé que les bonnes perfs de Bordeaux aujourd'hui sont aussi du fait que quand ils jouent à domicile, ils ont un public. Et nous, ça a été dur dès le départ, et peut-être que Le Havre n'aurait jamais été Le Havre avec le public. Voilà, parce qu'on sait très bien qu'il y a eu un fait de jeu en tout début de match qui aurait pu complètement changer le sens de cette rencontre et son score. Et à partir du Havre, on a posé beaucoup de questions. Ouais. Mais moi, je me souviens à la sortie du Covid, où on sortait d'une grosse dose de huis clos et avec des joueurs qui étaient très jeunes et un peu dans la tourmente déjà sur le terrain. Et on se demandait si justement, est-ce que ça allait pas au contraire les inhiber et leur mettre plus de mauvaise pression que de bonne pression. Là, avec ce groupe-là qui a été entièrement quasiment régénéré, la question mérite d'être posée aujourd'hui ou pas pour toi, Pierre? Je pense qu'effectivement, le public sera vraiment derrière l'équipe, tout simplement parce que, bon, l'année dernière, on sait comment ça s'est fini très mal. Là, ils ont été là sur les premiers matchs à l'extérieur, et je pense vraiment que le fait voilà, de vouloir revoir un peu de football, de retrouver une bonne équipe, fera que ça se passera bien, et voilà, l'équipe sera portée par ce public. Et je rejoins ce que disait tout à l'heure Alex. Je pense que ça nous fera gagner pas mal de matchs et pas mal de points l'apport des supporters dans un esprit positif. Je pense que ça sera vraiment vraiment intéressant cette saison. Je reste avec toi, Pierre, tant qu'on est dans le bilan un petit peu de cette première partie de saison. Ouais. Cette première pa partie de saison, elle a débuté forcément avec le mercato. Selon toi, c'est quoi la satisfaction et la déception? Alors, bien sûr, encore une fois, après 9 matchs, hein, c'est très court, mais du mercato estival.
Alors, tu me prends un peu au dépourvu, mais au niveau de la satisfaction, dans le prolongement de ce que je disais tout à l'heure, et pourtant on l'a pas encore beaucoup vu, mais j'aime beaucoup Lobry. Vraiment, c'est un joueur qui propose quelque chose Ouais, belle découverte, Loubri. de plutôt intéressant. Et au niveau du, je pourrais en citer d'autres, hein, mais voilà, il Ouais. faut le recrutement, je trouve, est quand même plutôt. On s'est pas trop planté. Et voilà, on a beaucoup parlé, mais au niveau de la déception, je pointerai un petit Briançon. Mais encore une fois, j'ai bon espoir que. Faut pas oublier que Briançon, il a joué 4 matchs l'an dernier. Il reste sur plusieurs grosses blessures, dont l'année dernière. Donc c'est pas un. Je pense qu'il lui faut un peu de temps, mais je pense qu'il arrivera à se remettre dans le rythme Il peut se stabiliser, quoi. Voilà, mais pour l'instant, je dirais en flop quand même Briançon, parce que c'est aussi le capitaine. Donc il doit montrer son. Il doit assumer son rôle. Mine de rien, ça compte, ça lui donne plus de responsabilités. Alex, toi, au niveau du mercato, un top, un flop? Un top, ce serait. Et parce qu'il a un gros potentiel plus-value et parce que moi, j'adore ce type de joueur, c'est Benjamin Bouchouari. Voilà, il aura des mauvaises périodes cette saison. Il aura des périodes où il s'effacera un petit peu, comme tout jeune. Mais c'est vraiment une régalade. J'aime beaucoup ces petits joueurs justement qui offrent autre chose que ce jeu physique ou fait d'impact. Et finalement, en quelques matchs, il m'a réconcilié avec. Avec voilà ces jeunes joueurs avec ces profils-là, ce que par exemple Adil Aouchiche n'a jamais montré, Ouais. parce qu'aujourd'hui, moi je suis désolé, mais Bouchouari, il a un Aouchiche par jambe, quoi. Voilà, même s'il joue pas forcément dans le même registre, il n'y a pas photo. Et en flop, je dirais, ouais, je dirais aussi peut-être Briançon, et je suis en train de me poser la question pendant que je vous le dis. Est-ce que finalement Laurent Batless a pas tapé un petit peu à côté en lui donnant le brassard? Est-ce que c'est pas trop de responsabilité? Moi, je poserai la question en tout cas déjà à Briançon, savoir s'il souhaite garder ce brassard pour pas se recentrer sur lui, sur son jeu, quoi. C'est vrai que savoir comment il le ressent, lui, ce capitanat, ça serait intéressant parce que on a l'impression que c'est un peu lourd sur ses épaules. Ouais. Dans le chat, en termes de top et flop du mercato, il y a des réponses intéressantes. Bon, il y a Green Prospect qui nous dit la meilleure recrue, c'est Batless. Oui, Effectivement, il ne fait pas c'est partie des vrai, joueurs, mais je pense qu'on c'est est vrai. nombreux à le penser. Lobry et Bouchouari comme pari sur l'avenir. En revanche, la défense, quelque peu décevante. Et Romain qui dit meilleure recrue, c'est les départs. Dingue comme aucun ne me manque. C'est vrai que ça, c'est assez vrai. Je Ouais, c'est pensais vrai. regretter un peu des Gournadois, des Bouanga, des mecs comme ça, mais au final, non, Non. c'est bien d'avoir tourné la page. Il y a Chiressois qui nous demande, et Cafaro, on ne doit pas en attendre plus, non? C'est vrai que Ouais. Cafaro, c'est un nom qu'on connaît tous. Autant les Lobry, les Bouchouari, on les a Ouais. découverts. Autant Cafaro, c'est un joueur qu'on a connu en Ligue 1, dont on savait le potentiel. Est-ce que pour vous, il ferait pas un peu partie des flops du mercato ou il est sauvé par ses premiers matchs qui ont été de meilleure facture? Ouais, pour moi, je trouve que pour l'instant, je reste un peu sur ma faim avec Cafaro. Voilà, c'est sur le papier, Cafaro, c'est du tout bon. Et là, j'ai du mal à voir la plus-value qu'il apporte. Il avait mis un beau but à Quevilly. Il avait mis un but magnifique. C'est vrai que la première image qui vient du début de saison de Cafaro, c'est celui-là et le rouge. Le but et le rouge, pour moi, c'est les deux C'est qui me viennent en ça. tête. C'est ça, mais alors après, voilà, on va aussi lui laisser sa chance, mais la preuve en est, c'est que sur les 4-5 premiers matchs, il était titulaire, et depuis que Wadji est arrivé, c'est lui qui fait les frais, numériquement, je parle. Donc effectivement, l'apport de Cafaro est pour l'instant limité. C'est vrai qu'on l'a pas cité tout à l'heure pour remplacer Pintor, mais Ouais. c'est pas son Ouais, poste c'est. non plus, hein, mais bon, ça peut être une solution. Je te dis, il pourrait tout à fait travailler cette solution là pendant les 15 jours, hein, mais Ouais. il va falloir qu'il change d'état d'esprit, hein, parce que il est rentré la semaine dernière. La première chose qu'il a trouvé à faire, c'est d'aller se prendre la tête avec un Guingampais. C'est une vraie tête de cochon en fait, hein.
Il est tout le temps en train d'aller chercher un adversaire. Il est absolument déconcentré. Moi, il me fait penser par sa déconcentration à Denis Bouanga, en fait. C'est une vraie pile électrique et je trouve que son premier match avait été très très bon, très prometteur. Il allait vers l'avant, il proposait des solutions, il provoquait, il obtenait des fautes. Et depuis son carton rouge, mais c'est une calamité, quoi. Il ne fait que râler, discuter, il fait la tronche. Non, là, faut qu'il se ressente. Je pense qu'un petit rancard avec Lolo Batless, comme il a fait avec Masson, ça pourrait vraiment faire du bien à Cafaro. Très bien. Eh bien, écoutez, messieurs, il est 22h. Je pense que nous avons fait le tour des sujets que nous devions aborder aujourd'hui. Est-ce que vous avez un mot à rajouter avant qu'on se quitte? Non, beau stage à nos Stéphanois qui nous reviennent plein de voilà, plein d'énergie pour essayer, pourquoi pas, d'aller titiller ce haut de tableau. Plein d'automatismes. On veut voir Voilà. des combinaisons sympas sur coups francs et on veut voir des belles choses à la rentrée. Sur ce, messieurs, dames, on vous dit bonne soirée tout le monde. Merci à vous qui étiez présents dans le chat. Pour ceux qui nous écoutent en replay, je rappelle que la chaîne Twitch, si vous aviez l'habitude de nous suivre en live, a changé de nom. Nous ne sommes plus sur la chaîne twitch.tv/SynthéInside, mais twitch.tv/SynthéNightClub. Donc voilà, si vous n'aviez pas réussi à trouver le live de cette semaine, c'est peut-être pour cette raison. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission et allez les verts! Salut à tous. Salut tout le monde. Salut.